entre Québec Official et Overdosed. Donc, on va y aller pour les présentations tout de suite. Dans le coin en haut à gauche d'Aquilon Waste, on a Dysac Crew pour Québec Official. Et dans le coin en bas à droite, pour Overdosed, on a Inverse en Terran Rouge. Donc, on va souhaiter bonne chance à nos deux joueurs et que le meilleur gagne. Dysac Crew qui va envoyer ses scouts. On va aller. Oh! Dysac Crew qui va aller scouter pour le proxy barrack. Très très bon move étant donné que. Et le SCV qui est allé se cacher. Donc. On va prendre le temps de très bien vérifier pour Dysac Crew. Oh! On va avoir croisé le deuxième SCV qui s'en venait. Dysac Crew qui va le suivre. Est-ce qu'on va voir les baraques? Non, Dysac Crew qui. Et voilà. Oh, on va aller en haut par contre. Est-ce que ça va être suffisant? Et on monte la rampe. Et on voit les baraques. Oui, on a vu les baraques du côté de Dysac Crew. Donc, la poule qui est déposée. On va tenter de. On va ralentir ça le plus possible. Et voilà Dysac Crew qui va probablement peut-être réussir à prendre l'SCV. Et le SCV qui tombe. Et la baraque qui pourra pas se compléter. Voyons voir, est-ce qu'il va réussir à avoir l'autre SCV avant que ça se termine. On a plusieurs drones qui arrivent. Et voilà, on s'attaque au SCV. Et le SCV, la vie. On voit là la deuxième ligne, orange. Orange et rouge. Et voilà les deux baraques qui ne pourront jamais se compléter, sauf jusqu'à ce qu'on voit à nouveau des SCV s'en venir. Donc là, les Urglings qui ont une belle grande porte ouverte. Donc Dysac Crew qui a joué son début de game like a boss. Et voilà les Urglings qui s'en vont. On va les suivre. Les drones qui commencent à s'attaquer aux baraques. Le premier SCV qui s'en vient. Les Urglings qui vont venir donner un coup de main ici. Le SCV qui arrive et on va terminer la baraque. Et voilà la baraque qui vient de se terminer. On va tenter de terminer la deuxième. Par contre, les Urglings qui sont là, on va prendre le SCV. Et voilà le SCV qui vient de tomber. Et voilà donc Invert.